Dites-nous, plutôt une belle ascension de votre part. Ouais, je suis vraiment content. C'est pas facile cette course, c'est une course à l'économie. Faut essayer vraiment de garder le maximum d'énergie pour la montée finale. Et puis en même temps, faut arriver à être placé, donc c'est là le plus difficile en fait. Garder ses forces, mais en même temps arriver à être placé, c'est pas facile à faire. Mais là, j'ai eu vraiment une super équipe avec, comme je disais, Anthony Pérez qui a été au top là dans le dernier plat, avant la montée finale. Et donc il m'a vraiment posé dans les 10 premiers et donc j'ai pu faire ma montée. J'ai vu qu'il m'en manquait un petit peu pour accrocher les tout meilleurs, mais je l'ai bien géré et sur la fin, je revenais pour la quatrième. Je fais 6, mais franchement, c'est top. Et comment vous avez géré durant la course? Vous saviez dès le départ que ça ne partirait pas avant? Parce que tout le monde s'attendait un peu à ce que Pogacar fasse la guerre avant, on l'a vu d'ailleurs. Mais vous saviez? Moi, je pensais quand même que ça pouvait faire un scénario classique. Faut pas oublier que voilà, il a déjà fait un festival la semaine dernière. Et il y a Liège dimanche et je pense que forcément, lui aussi, dans sa tête, il y pense. Donc il avait aussi envie de se préserver. Il devait savoir aussi qu'il pouvait gagner à la pédale en faisant la course entre guillemets normale avec juste la montée finale. Donc moi j'ai vraiment basé ma course sur seulement une montée à la fin et après voilà, peut-être que j'aurais pu me faire piéger mais je pensais quand même en plus avec le nouveau circuit il y a beaucoup de plats en plus donc ça favorisait quand même une arrivée groupée. Et maintenant dimanche avec la bonne forme, Liège? Ouais dimanche je vais pas perdre la forme ça c'est sûr mais j'ai pas préparé la distance, j'étais pas prévu en fait sur Liège, je l'ai su le week-end dernier donc voilà ça va être une petite surprise de voir un peu... les jambes dans la sixième heure, comment ça va être? Et si je suis pas au top, j'aiderai les copains volontiers après le travail qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est Victor. Merci.